Ne gaspillez plus jamais de riz. Réalisez cette délicieuse recette. Voici dans le bol 2 tasses de riz et 2 saucisses que nous couperons en petits morceaux. Ajoutons ensuite 3 œufs, une pincée de sel, de l'origan au goût, du safran à volonté, un assaisonnement prêt, une demi-saucisse râpée, des épices, une demi-tomate hachée, un petit oignon haché et 150 ml de lait. Nous mélangeons maintenant tous nos ingrédients. Dites-nous dans les commentaires ce que vous faites avec les restes de riz de la veille. Nous tenons à envoyer un câlin spécial à nos followers. Tetel Paveyem Wen de Martinique et Saada Gadito Med de Djibouti. Merci beaucoup de suivre nos vidéos. Ajoutons ensuite une tasse et demie de farine et mélangeons soigneusement. Dans la poêle, versons un filet d'huile. Dès qu'elle est chaude, mettons tout le riz, étalons la poêle, couvrons le tout et laissons à feu doux. Lorsque le fond est doré, il est temps de retourner l'ensemble. Posons une planche sur le dessus de la casserole et tournons-la. Puis, remettons le riz dans la casserole et attendons que le fond brunisse. Notre tarte au riz dans la poêle est prête! Il ne reste plus qu'à couper et à déguster. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye !